Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Days Gone. J'ai décidé de changer un petit peu le concept en fait, parce que j'ai l'impression que toutes ces virées en moto là, aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, ça n'arrête jamais. Et du coup, j'ai peur qu'ils tirent le jeu en longueur avec ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer 1 heure, mais par contre, je vais vous résumer et je vous couperai tout ce qui est transport en moto et autres joyeusetés du genre. Parce que sinon, les vidéos, on va arriver à l'épisode 120. 140. Allez, c'est parti. Cette zone d'infestation. Bon bah en fait on va commencer ici hein. Il y a des nids ici, on va essayer de les trouver. La moto elle va se barrer là. Ah, je suis pas motard moi. On a des motofs, on a les molotov. Par contre c'est 2 jours donc ouais. Pourquoi pas. On va essayer de trouver des nids dans cette zone. C'est quoi ça? C'est bon à savoir. Quoi? Qu'est-ce que moi bon savoir? J'adore. C'est bon à savoir quoi? C'est fermé à clé, d'accord. Pas moyen. C'est verrouillé. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher là-dedans? Bizarre. Commence à pleuvoir là. Est-ce que je peux défoncer les portes? Ok. Je repasserai. Je dois Pourquoi? brûler tous ces nids. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il me dit ça? Non, j'ai pas envie de repasser, j'ai envie de le faire maintenant. Pourquoi tout est fermé? Il y a... Ah ouais, d'accord, en fait... Vrai problème le yinche. Elle est là. Ah ok. Une prime. C'est bon à prendre. En fait, j'ai un... Est-ce que les deux croix là, ça voudrait dire que le nid est. Est là-haut, c'est ça? Comment je peux rentrer là-dedans? Est-ce que verrouiller, c'est-à-dire que verrouiller quand on est à une hache? Ah, d'accord. Bon, maintenant il veut pas. Ok, mauvaise idée. Ah. Aha. Ouais, c'est pas mal par là. Bonjour. Qu'est-ce que t'as fait tomber? Ouh. On a bien fait de persévérer. Il y avait bien du stuff là. Est-ce que je peux déverrouiller la porte du coup? Ouais.
est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'autre? Si je descends là, ouais, j'ai le droit. On va essayer. Eh ouais. Et les mouches. Bonjour. Qu'est-ce que t'as, toi? Oh, ça a l'air pas mal, une pioche. À la place d'une hache. Je sais pas si je suis gagnant, en fait. Je comprends pas trop le... Moi, je veux faire des dégâts. Apparemment, la hache, c'est mieux. Ah, attendez, non. On est au max, donc on peut tout faire. Si je fabrique ça, capacité max, ok. Ah ouais, ok. On a des grenades flash. Ok. Et du coup, je suis toujours à fond. Ok. Ok. Oh, il y a encore des trucs là. Pas mal cette maison. Oh ouais, une trousse. La maison du bonheur. Bon bah écoutez, parfait, on a tout ouvert du coup. Hein, j'aime bien quand c'est ouvert. Et on va essayer de se trouver les nids. Alors l'église là, je la sens pas. Ouais, y a des messages d'alerte là. Trop de mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs. Ah. Ça peut pas s'ouvrir. J'aime bien la petite musique d'ambiance là, qui met le frisson. Oh, cette église là, elle me... Il y a des trucs là-dedans. Tout est fermé. Sérieusement? C'est dommage, je serais bien rentré dans cette église. Ah, par ici peut-être. Tu peux pas monter là-dessus. Ça, c'est un pauvre parterre. Et il veut pas. Ok. Bon, il veut pas que je rentre. Il veut pas que je rentre. C'est dommage quand même. Elle a l'air sympa cette église. Et si je la cocktail molotov? Moi j'ai peur de... Je vais en avoir besoin moi. Alors, la maison là, on va aller voir. On va faire ça dans l'ordre. Hein. Ouais, hein, j'adore quand il me met des musiques comme ça. C'est trop cool. Mais où est-ce qu'il y a des nids là? Ah, il y a de l'essence là. Il est ce putain de nid. Bah ouais, il est où? Il doit pas être loin. Je suis d'accord avec toi, mec. Là, il y en avait un. Il y en avait un ou il y en a un? Il y en a un là. Ah, on va s'amuser un petit peu, les amis. Merde, j'ai pris quoi là? Bon, le tof. On va se barrer en courant. Elle vient, ma pelle. Ouais, bonjour. Allez! C'est tout là? Ça c'est fait. On récupère les petites cartes. Voilà. Bon bah, j'ai pas vu qu'il me le validait.
J'aime pas quand il faut avoir tenir 50 touches en même temps là, c'est pénible. Bon bah il me l'a validé. Hein. Donc il y a de l'essence ici, on le sait. On va aller voir ici ce qu'il y a. Pas de nid dans les toilettes. Non. En fait, quand il fait jour, c'est idéal hein, pour casser les nids parce que ils sont beaucoup moins nombreux dedans, j'ai l'impression. Enfin, pour l'instant, j'en sors beaucoup moins. Bon, le dernier nid, je sais pas où il peut être. Parce que la station, on l'a faite. Ah oui, c'est là où il y a le fameux pont. Quoi ça, c'est des loups? Ah, du coup le dernier nid serait dans l'église. Ah, je vois que ça. Hein. Mais on n'a pas la clé. Faut quand. Bah, et vous savez quoi? On a des cocktails Molotov. Ah, il y a une maison là encore. Ah ouais, non, il y a encore plein de maisons là. Ah là là là, ouais, d'accord. Non, non, non. Ouais, ok. Oh, j'aime cette musique. Le nid, il doit être par là. Ouais. En voilà un autre. Ça m'a Ah pris. ah ah! Et là, on a une belle machette en plus. Eh ben, je propose qu'on se le fasse comme ça. Hein. Ouais, on va se le faire là. On va se le faire et on va attendre même. On va être des dingues. Il n'y a rien de tel que la ferraille. Ouais, mon pote. Ouais, on va nettoyer cette. On va nettoyer cette zone. Nettoyer une machette artisanale, les gars. Allez, viens, mon pote. Ah ouais, juste au moment où je l'ai tapé, quoi. Ça, c'est cool. Ah, elle est pas mal la petite pêchette là. J'aime bien. Bon bah voilà, bah on a nettoyé notre première zone. Et ben bah, voilà, bah, c'est cool. Du coup, je vais reprendre la moto. Qui a pas glissé finalement. J'ai vu qu'il y avait de l'essence là. On va peut-être prendre l'essence. Est-ce que je peux passer là où je recule? À la station essence, est-ce qu'il y a encore de l'essence? Ce serait dingue. Ah, il y a de l'essence, sérieux. Sérieux, là, il y a de l'essence. C'est ouf. Comment on sert? Attendez, j'ai peut-être été un petit peu trop près. Ah, faut faire rond. Ah, mais c'est cool. Post-apo. Et il y a encore de l'essence. Moi, génial. C'est bon à savoir. Par contre, là, je peux pas passer, mec. Hein. Ça fait deux fois qu'il me dit de passer par là. À moins que je passe par là. On se le tente? Allez, on fonce. Ouais, ça passe. Ok. Pourquoi il fallait que je vienne là? T'y es retourné, c'est ça, hein? Non, d'accord, on passe du jour à la nuit. Lâche-moi, ok? Je chasse du mutant, tu piges ça, Boozer? Les primes, c'est uniquement pour ça! Uniquement pour ça que j'y retourne! Ouais, il parle de l'église, je pense. Ah mince!
Les cavaleurs, c'est quoi ça encore? Merde, il n'y a pas de chemin. Ah! Elle est où le chemin? Elle est là. Ok les gars. Tiens. Contrôle est chaud quand même de la moto. Hein. Moi je suis pas un motard. Hein. Ok. Oh, attends, faut peut-être m'arrêter là. Attends, ils ralentissent. On dirait qu'ils s'arrêtent. Bordel de merde. Il y a des actions prédéfinies. Moi, c'était juste des coups de semence. Si tu voulu me tuer, je serais déjà mort. Nick, tu te rappelles ce que je t'ai dit au sujet de tes pulsions suicidaires? Ouais, je le gère. Terminé. Parce que je les avais esquivés, enfin, je m'étais caché. Et en fait, non, ils ont décidé qu'ils allaient me tirer dessus. Quoi. Donc, il y a vraiment des actions qui sont prédéfinies. Ou alors, c'est peut-être parce que je me suis rapproché un petit peu trop. Je sais pas. Le sédatif marche pas. Oh que si! Sans quoi cette saloperie vous aurait déjà arraché en tête. Allez donc, bougez-vous! Non! Tu vas tuer! J'arrive! Une seconde! Emballé, on dégage! On bouge! Qu'est-ce qu'elle a, ma moto? Ah non, il faut que j'y aille. Bravo. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a un peu beaucoup quand même là, non? Pour faire de l'infiltration. Barrez-vous. Voilà, merci. Barrez-vous. Voilà. Allez, allez. Ils m'ont vu? Du calme. J'adore.
les adore. Viens pas par là. Viens pas par là, je te dis. Allez, c'est parti. Ça y est, vous êtes calmé là? Ok, c'est une radio. Il n'y avait rien, hein, j'adore. Bande de merde, rends-moi ça! Cette petite merci à moi! Hé! Pas mal. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent? On dirait qu'ils étaient par là. Merde, à manipuler des mutants, je sais pas trop. J'ai bien aimé. Il avait un tétard dans une sorte de colère. On aurait dit qu'il lui posait un mouchard. Hein? Comment ça, manipuler? Tu sais, il l'avait attaché. Merde, je suis au masque. Il faisait des prélèvements sur lui. Je peux me soigner, remarquez. C'était assez tordu. Ils sont carapatés quand des grouillants ont débarqué. Ils ont laissé de l'équipement derrière eux, une radio. Attends, tu crois... Okay. Tu crois pas que... Sarah? Non, non, c'est... Je sais pas. Mais il est en vie, Boozer. Il est en vie. O'Brien. Un des mecs du Nero. Je vais essayer de le retrouver. O'Brien. Il faut que je sache ce qui s'est passé. Merde. Ok. Écoute, je serai bientôt en état de reprendre la route. O'Brien. C'est celui qui avait... On trouvera cet enfoiré. Tu l'as dit, ouais. On se reparlera plus tard. Terminé. Ok, O'Brien. Où tu te caches, enfoiré? C'est celui qui a pris ma femme, non? Salut. Salut. Je suis comme qui dirait perdu. Vous pourriez m'aider? Vraiment? Vous êtes perdu? Ouais, je cherche la vieille route de Belknap et ça manque un peu d'indication par là. Sérieux, vous vous payez ma tête? Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh. C'est vrai. Il manquait plus que ça. C'est super. La grosse éclate. Et sinon, vous m'enseignez? Quoi? Oh, pardon, j'ai jamais entendu parler de Belknock, Belknap, Belny... Belknap. Belknap, ouais, c'est ça. Et j'ai aucune idée d'où ça se trouve. Je suis désolée, je peux pas vous aider. C'est non, alors? Navré. Ok, bon, merci quand même. Hé! Okay. Je vous dépose quelque part? Oui, volontiers. Merci pour cette offre si spontanée. Je m'appelle Sarah. Et moi, Deacon. Oh, désolé pour le cambouis. comment je fais pour monter? C'est pas sorcier, il suffit de... C'est enfourcher, ça. Ok, ouais. Tout le monde en selle. Si je... Ouh. Ouh. Ok. C'est bon. Hey. Tenez-vous à moi. Merci beaucoup. Pas de soucis. C'est juste que... il n'y a pas de bar ici, alors... Mais si, il y a chez Crazy Willy, un peu plus loin sur la route, il y a aussi... Non, je voulais dire qu'on capte pas ici. J'avais compris. Bien sûr, je vois. Bon. Alors, que fait une fille comme vous dans un endroit pareil? C'est drôle, je me pose souvent la même question. Je bosse dans la recherche. Vous savez, j'étudie des choses. Merci, je voyais pas du tout ce que c'était, la recherche. Désolée, je m'occupe des plantes. Vous étudiez les plantes? Oui. Dieu.
Vous allez bien? Ouais, je suis juste... Oh, bon sang, c'est pas passé loin. Ça va, hein, vous êtes sûr? Oui, c'est le choc. Oh, la vache. Hey. Bonne nouvelle, je capte. Salut. Ouais, ça va, mais... La bagnole que tu m'as prêtée, là, c'est une épave. Il me faut une dépanneuse. Je suis sur là... Je sais pas, sur une route paumée. La route 42. Route 42. Ouais, 1,5 km. Ok, on se voit quand t'arrives. Allez, je vous raccompagne à votre voiture, on attendra la dépanneuse. Je sais pas trop... Pas de soucis, je suis sûr que ces cons seront ravis de vous déposer quand ils passeront. Ok, d'accord. D'accord, laissez-moi... Juste une petite seconde. Ils vont pas tarder à revenir, ok, alors, ok, c'est bon, on y va. Mais tâchez d'être plus prudent cette fois, d'accord? Vous étiez pas vraiment perdu, pas vrai? Ça dépend à qui vous demandez. Mon ex dirait que je suis perdu depuis des années. En tout cas, vous connaissez bien la région. Donc vous êtes pas du coin? Non, je suis de Seattle. La boîte pour laquelle je bosse vient d'ouvrir un labo ici. Et me voilà... parachutée au beau milieu de nulle part. Pour étudier des plantes. Tout juste. Je vous l'ai déjà dit. J'avais oublié. Enfin bref. La boîte qui m'emploie, ils travaillent pour une firme de bio-ingénierie. Certaines plantes que j'étudie sont très rares. Et il se trouve qu'elles poussent justement dans la région. Eh ben ça, ça m'embouffe carrément à quoi. Putain, quoi encore? Vite! On a de la compagnie! Oh! Attends, lâche-moi. Fais-moi le malin. Je sais pas si je pouvais gagner en fait. C'est un putain de méchant motard, hein. Je te cuis la gueule. Alors, t'aimes ça ma poule? Tire la gueule. Joue-moi les gros bras, hein. T'apprendras jamais, pas vrai, ma gueule? On va t'apprendre. On va te donner une leçon. Allez. Merde. C'est sans moi, je me casse. Attends. Roule, bordel, roule. Oh mon Dieu. Ah non. Oh mon Dieu. Hey. Ah, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a... Je fouillais dans votre sacoche et je l'ai vu et... Oh mon sang, j'aurais pu tuer quelqu'un. Oh merde. C'est pas faux, mais il aurait fallu viser quelqu'un d'abord. C'est la première fois que je fais un truc pareil. Je l'ai vu, je l'ai vu dans votre sacoche, j'ai essayé d'appeler la police, mais j'avais... Vous avez bien fait. C'est capté pas, j'avais plus de signal. Voilà ce qu'on va faire. Je vais rester avec vous ici et attendre que votre ami arrive. Merci beaucoup. C'est la première fois que je fais un truc de ce genre. J'aurais pas cru. Ah ouais? Ok, donc on vient d'assister à un petit peu à... Quand de Hot Springs, vous me recevez? J'ai besoin de plus d'infos sur la survivante que Larsen a repérée à Marion Forks. Deacon, je t'ai dit tout ce que je savais. C'est une jeune fille. Attends. T'es sérieux, là? Je l'ai entendu dire. Ça me plaît. J'y vais.
Je l'ai entendu en plus. Deacon, je t'ai dit tout ce que je savais. C'est une jeune fille. Attends, il a parlé de chez Hungry Jim, le vieux resto à pancakes près du pont Est. Le bûcheron et la pile de pancakes. Ouais, je vois où c'est. Ok, je vais commencer par là. C'est ça. Et n'oublie pas, tu dois me la ramener. Les drifters sont passés l'autre jour, ils nous ont vendu quelques armes. Ça t'intéressera peut-être. Ok, j'y penserai. Terminé. D'accord. Nouvelle mission débloquée. Elle a l'air d'être par ici. Allez, c'est parti pour un petit voyage que je vais pas vous garder. Bon, où est-ce que tu te planques? Elle doit être quelque part. Elle pourrait avoir besoin d'eau. Près de la crique, peut-être. Je vais jeter un coup d'œil. Oh, c'est chelou, hein. On se fait attaquer, en fait, on se fait plus attaquer. Ça doit être elle. Elle vient sûrement chercher de l'eau ici. Ouais, elle s'approvisionne en eau tous les jours ici. Mais elle se déplace prudemment, et sans s'attarder. Plutôt futé. Je suppose qu'il faut que je suive les points blancs, là. Ok, donc il y a des reapers de partout. Et ils sont combien? J'arrive pas à voir. Je sais pas combien ils sont là, c'est ouf. Ils ont l'air d'être très nombreux. Je sais que je suis déjà passé par là. Ça peut m'être utile. Cool. Attendez, on est déjà venu ici et ils ont remis des trucs. C'est cool. Putain, y a un gars là. Ah, c'est le sniper. Cherche. Ouais. Merde, il a bougé. Merde. Merde. Ok, c'est bon. Il a pris 3 balles lui, c'est bon. Libéré. Ok.
qui est libéré? Attendez, il y a combien de mecs là? Ah, je rate. Qui me tire? Ah, salut les gars. Toi, tu voulais faire quoi là? Il faut combien de balles? Oh! Attends, je vais prendre le snipe. Le snipers. Ça, c'est beau. T'es où là? Ah! Mais ils sont combien les mecs? Merde, presque à court. Ah mince! Ça m'arrange pas, il y avait des balles là, je peux pas les prendre. Munitions pour fusil. Ah! Pour fusil comme ça? S'en est encore là-bas? Il y en a un moins là. Raté. Touché. Ah, il était se caché. Merci. Allez, viens mon pote. T'as sa bouche, c'est ouf. Allez, ça c'est beau. Le petit machin là, non? Non, on va laisser lui. Pourquoi je peux pas prendre ça? C'est fou. Où est-ce qu'il en reste là? Il en reste des mecs là? Tout le monde a eu son compte. Écoutez, je vais descendre, on va bien voir. Je pense qu'on a quand même bien nettoyé là. Un mec là. Ici! Merde. Viens là, mon pote. Oh. T'es où? Mais d'où je le touche pas là? Attends, je vais te taper, toi. C'est une fofolle là-haut. On va peut-être se soigner. Ouais, c'est cool. Ouais, il y a une fofolle là-haut. Je fouille, hein. Je fouille, je prends mon petit temps. Ah, des munes. Ok, super. Alors j'ai vu qu'il restait des mecs par là. J'ai gardé ma... J'ai vu le cigarette.
Ils sont encore combien là? J'ai raté là. Quoi repli? Restez là les gars. Putain mais ils sont combien les mecs là? Et d'où je le rate là? Tiens mon pote. Qu'est-ce qu'il y a merde? J'ai plus de balles. Ça c'est fait. Ouh. Alors lui il est bien caché, on voit. Ah, raté. Attendez, je vais me décaler. Voilà, d'ici je serai mieux normalement. Voilà. Allez, monte ta petite tête. Ça c'est fait. Ouf. Bon bah apparemment on a buté tout le monde. Hein. C'est bon. Je comprends pas qu'ils mettent tout le temps munitions. Mission pleine alors que quand j'essaie de ramasser, vous voyez, je suis à max partout. Bon, on va chercher la petite fille qui doit être cachée là-dedans à tous les coups. Une échelle, c'est ça. Ah, une échelle, c'est ça. Ok, bon, on va la prendre. On va la prendre, voilà. Allez. Hop là. Je vais la poser ici. Alors, gamine, voyons où tu te caches. Monte. N'aie pas peur. Je te ferai aucun mal. T'es toute seule? Y'a personne d'autre avec toi? Oh la vache. Ok. C'est ta chambre? C'est sympa. C'est à toi ça? Non! Lisa? C'est à moi! Je l'ai gagné en gymnastique. J'aurais dû finir première, mais Missy King... Lisa! Lisa, t'as entendu les coups de feu dehors? T'es pas en sécurité ici. J'étais alors tu vas... Et puis ma mère m'a appelé pour me dire de rentrer à la maison à toute vitesse et... qu'ils allaient m'attendre là-bas et qu'on partirait ensemble et... Mais quand je suis arrivée, il y avait un mot, ils étaient partis avec des gens. Et moi, je savais pas quoi faire, alors... Alors je me suis cachée et je savais pas quoi faire. Ça va, t'en fais pas. Lisa, il y a un camp pas loin d'ici. Il faut que tu me laisses t'escorter là-bas. Y a des gens là-bas. Y a des gens, je les connais. Je vais pas te mentir, c'est un camp de travail. Enfin, il faut travailler pour manger, c'est pas le paradis. Mais au moins, tu mourras pas de faim. Non, ma mère va venir me chercher. Ok, c'est ta mère? Tu me dis qu'elle est jamais revenue, c'est ça? Alors, elle est peut-être au camp, si ça se trouve. Maman, elle est au camp. Oui. Oui, j'en suis sûre. Reste avec moi.
des hommes armés. Ils sont toujours dehors. Bon, on va s'arrêter là parce que, pour tout vous dire, je suis déjà à 1h15 d'enregistrement et au final, on a eu quand même pas mal de choses à faire. Donc la vidéo risque d'être assez longue, mais ça va quand même nous permettre d'avancer un peu dans cette aventure. Voilà, bah, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous me lâchez un gros pouce bleu, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.